فكان تدخل غني وركز في البداية ديالو على التعريف بالبيت العربي لتعليم الكبار والتنمية وعرج على العمل الذي يقوم به البيت العربي في إطار الربط ما بين تعليم الكبار والإشكالات والقضايا التنموية. شكرا الأستاذ إلسي. أعطي الكلمة للأستاذة سميرة الفايت. واستضفنا الأستاذة سميرة لإعطاء شحنة تنموية لهذه المائدة، فهي ممثلة للانابيك للوكالة الوطنية لتأهيل وتشغيل الكفاءات. جي أستاذة. السلام عليكم. Donc, je me présente, docteur Samira Al-Fayed. Je suis chef de service prestation aux populations spécifiques. Donc, j'ai intégré l'ANAPEC en 2001. Dès le démarrage, je fais partie du corps des 6 premiers conseillers en emploi qui ont intégré l'ANAPEC. Après, il y avait 80, après 200, après 200, maintenant à 450. Donc, j'ai travaillé 10 ans en tant que conseillère en emploi. Donc, il me demande de résumer un parcours de vie de 20 ans en combien de temps ? 10 minutes. Donc j'ai 10 minutes. Donc je présente avec vous mon vécu avec l'offre de service de l'ANAPEC que nous avons développée et que nous avons animée et que nous avons aussi fait évoluer. Donc la genèse de l'offre de service de l'ANAPEC, c'est avec les conseils, avec le corps de l'ANAPEC, ses conseillers en emploi, ses formateurs et aussi ses formateurs de formateurs. Bien sûr, ce que vous allez voir, ce n'est pas le fruit de l'ANAPEC tout seul, mais aussi le fruit de l'ANAPEC avec le partenariat, parce qu'au début, nous avons démarré avec l'offre de services aux diplômés, donc tout ce qui est universitaire, lauréat des universités, lauréat de la formation professionnelle, et après, donc, le droit au travail nous a obligés d'ouvrir et d'adapter une offre de services aux différentes catégories de chercheurs d'emploi, et donc vous allez voir l'évolution. Donc l'émission de l'ANAPEC, donc, comme vous le connaissez, parce que nous sommes 80 agences au niveau national, donc une de nos missions, c'est procéder à la prospection. Comme nous sommes l'acteur institutionnel qui fait l'intermédiation dans le marché de l'emploi, donc nous approchons les entreprises pour identifier leurs besoins en compétences. Nous informons, nous accueillons et nous orientons et nous accompagnons les chercheurs d'emploi qui se présentent dans les espaces emploi de l'agence. Et nous orientons aussi les personnes qui ont des profils entrepreneuriaux vers les services à l'entrepreneuriat. Donc assister les employeurs dans les définitions de leurs besoins. Ça, c'est au début qu'on avait commencé, mais vu l'importance du projet, identifier les besoins des compétences des entreprises, c'est un peu consistant. Donc il fallait quand même qu'on commence d'abord par contribuer à l'élaboration des référentiels des emplois et des métiers et des compétences, qui est un projet généré par le département de la formation professionnelle et les ministères et d'autres ministères. Donc nous avons contribué à l'élaboration de à peu près 7 référentiels d'emploi et des compétences qui permettaient aux entreprises de connaître les postes et de valider les compétences. Et en même temps, ça nous permettait au niveau des agences d'orienter mieux les conseillers en emploi vers les emplois métiers tels qu'il est demandé par le poste de travail. Et bien sûr, l'ANAPEC, il met aussi en œuvre tous les programmes d'incitation à l'emploi, d'amélioration de l'employabilité vis-à-vis des chercheurs d'emploi et d'incitation aux entreprises pour recruter nos chercheurs d'emploi. Donc là, nous faisons partie des personnes qui mettent en place ces programmes. Et aussi, donc, il y a la loi cadre 51-90 qui est la genèse de l'ANAPEC. Nous concluons des conventions parce que pour mener à bien et pour recruter et pour intégrer toutes les catégories de chercheurs d'emploi, donc nous sommes obligés de développer le réseau des partenaires. Donc nous signons des conventions avec les associations professionnelles qui chacune s'occupe d'un secteur. Nous réalisons aussi toute mission de mise en relation avec ces attributions qui lui sont confiées par l'État. On parle tout récemment du programme Aurache. Donc nous sommes un acteur, nous sommes le secrétariat de ce programme, mais aussi ça a été aussi une occasion de contribuer par notre savoir-faire en termes d'accompagnement, en termes de mise en œuvre de programmes étatiques. Nous avons, par notre savoir-faire, nous sommes acteurs dans ce projet et c'est une occasion de mettre en place des projets qui sont d'utilité sociale et qui ont ouvert
toute la possibilité à tout chercheur d'emploi inscrit à l'ANAPEC, y compris les migrants qui sont en situation régulière et les femmes, les PSH, toutes les catégories vulnérables, de bénéficier de ce programme qui est financé et dont l'objectif est important, qui est de 250 000 personnes à insérer. Et comme j'ai parlé, donc des répertoires et aussi instruire l'offre de services émanant de l'étranger. Donc là, nous recevons aussi de l'offre d'emploi à l'international et au fur et à mesure de l'évolution des services, nous avons une direction qui s'occupe de l'emploi à l'international et aussi nous avons aussi maintenant une direction qui s'occupe de l'auto-emploi, bien que avant c'était un service intégré dans nos agences. Le capital humain, 80 agences, un corps de 450 conseillers. Nous inscrivons actuellement à peu près 300 000 chercheurs d'emploi qui s'inscrivent dans nos agences. Les performances en 2022, 146 000 bénéficiaires d'entretiens de positionnement. C'est des entretiens de 30 à 45 minutes qui permettent d'examiner le profil des personnes, d'identifier un peu sa problématique de recherche d'emploi pour pouvoir élaborer un plan d'action et pouvoir l'orienter vers les services adéquats au sein de l'ANAPEC et chez les acteurs. Des formations qualifiantes, des ateliers de recherche d'emploi et aussi un capital de partenariat très très intéressant. Avec les partenaires, nous avons en plus des 80 agences de l'ANAPEC, nous avons mis en place, avec la GIZ par exemple, nous avons mis des espaces d'orientation professionnelle et nous avons recruté des auto-entrepreneurs pour renforcer le corps des conseillers parce que 450 conseillers en emploi ne peuvent pas accompagner et orienter toutes les flux qui se viennent à l'agence. Donc nous avons des espaces d'orientation professionnelle dans des régions, nous avons tout récemment un projet avec la Banque mondiale dans la région de Marrakech-Safi qui a mis en place des espaces et de gestion déléguée qui permet à des jeunes dans les milieux ruraux, dans le Haouz, Chichawa et autres, d'avoir les mêmes services qui sont offerts de proximité, qui sont offerts dans les grandes agences. Et ça, c'est la vue de l'agence. Donc, au sein, si vous visitez une agence, vous avez des espaces emploi qui permettent d'accueillir, d'informer, d'orienter sur les services et prestations aussi, et de bénéficier aussi d'une bibliothèque et aussi de la documentation aussi, des ordinateurs. Nous avons une agence accessible à Hey Hassani, qu'on a rendue accessible grâce à un projet de coopération. Il est accessible côté physique et côté aussi service au PSH. Et actuellement, donc, avec le Covid, nous avons aussi, nous sommes la première institution étatique à avoir adapté pendant le Covid, parce que je fais partie de la division services chercheurs d'emploi. Tout le monde était confiné et notre division, donc, nous, on était confinés dans nos maisons et on a adapté nos services, notamment l'entretien de positionnement, des ateliers de recherche d'emploi. Et nous avons formé aussi sur les soft skills, qui était vraiment un outil élaboré avec le projet Humer, unité mobile pour l'emploi rural et dédié à quelques agences rurales. Nous l'avons adapté à distance et formé nos conseillers en addition. Et nous avons, parce qu'il y avait une idée sur l'impact du digital. Nous, on a compris l'impact digital durant le Covid. Nous avons formé à peu près 800 heures de formation, mais gratuitement à distance. Nous avons lancé les soft skills à distance et formation dans notre offre de services à distance parce que le conseiller est confiné chez lui, mais le travail doit continuer. Avec la SNIA, donc la stratégie nationale d'immigration et d'asile, nous avons adapté notre offre de services aux immigrés parce que l'État il a régularisé 50 000 chercheurs d'emploi, donc chercheurs d'emploi et d'autres profils de migrants qui sont sur le sol marocain, et il fallait adapter aussi notre offre de services. Et depuis 2015 à ce jour, nous avons travaillé dans pas mal de projets de coopération qui nous ont permis d'évoluer, de faire évoluer notre offre de services en plus des ateliers, des soft skills et le travail en présentiel. En fonction des besoins identifiés avec la population cible, nous avons adapté des ateliers à des spécificités des migrants. Nous avons aussi élaboré une application mobile Welcome ANAPEC qui permet d'avoir accès à des informations à distance et aussi plusieurs autres outils. Nous avons avec le BIT, non seulement il y a aussi adaptation de l'offre de services, notamment une prestation qui est en cours d'expérimentation, le bilan de compétences pour renforcer le diagnostic d'une population qui débarque sur le sol marocain, mais sans papier, sans attestation de travail, sans diplôme. Il fallait qu'on sache où l'orienter et comment dénicher ses points forts, ses points améliorés pour pouvoir l'orienter exactement vers le profil qui lui convient.
Donc, depuis le démarrage de l'ANAPEC, nous avons aussi bien l'offre de services en présentiel, mais aussi nous avons développé d'autres canaux de délivrance de nos prestations. Depuis le démarrage, nous avons démarré avec un système d'information qui permet d'avoir toutes les informations fiables dans tout le territoire national. Et aussi, nous avons une application mobile qui permet à tout jeune, où il soit, dédiée aux offres d'emploi. Il peut consulter l'offre d'emploi sur le champ et pouvoir y postuler. Et aussi, avec le développement du digital, nous avons mis une convention qui était avec Open Classroom. Imaginez, avec Open Classroom, qui est une plateforme de formation à distance, à peu près, il y avait 4000 utilisateurs par année. Pendant le Covid, et quand on avait formé les jeunes à utiliser cette plateforme, nous sommes passés de 4000 à 30000. Le deuxième pays après la France à utiliser cette plateforme. Tout récemment, nous avons aussi signé une convention avec l'APF pour pouvoir mettre à la disposition de l'ANAPEC une plateforme de remédiation linguistique en 7 langues. Moi-même, j'ai géré ce projet pendant le mois d'août. Au début, on a démarré le lancement de cette plateforme. On était à 400 personnes. Moi, je me rappelle, ma chef, il me dit, Samira, si je ne reviens pas de mon congé de un mois et que je ne trouve pas ce projet, nous avons un objectif d'utilisateur de 200 000. Et on démarrait dans les premiers mois, nous avons atteint à peine 16 000. Donc, il me dit, si je ne démarre pas, si je ne reviens pas de mon congé, on a atteint un important chiffre d'utilisateurs, je ne peux pas signer et valider ce projet-là parce qu'il est encore en... Et on a lancé 50 000. Maintenant, nous avons dépassé l'objectif de 200 000 utilisateurs et nous sommes en train de reconduire ce projet-là entre 2024 et 2026. Et je vous incite, parce que je tiens à répondre à un jeune parce que ça me rappelle moi, parce qu'il avait parlé comment on peut aider ce projet. À ce jour, monsieur Rakib, il est témoin, actuellement, j'accompagne moi-même des NIT, des lauréats de l'école Deuxième Chance, sur un projet d'accompagnement d'une population qui est peu instruite, mais avec lesquelles on a appris beaucoup de choses. Parce que pourquoi? On a utilisé le système du coaching. On apprend avec les jeunes, on apprend avec les adultes. On peut mettre en place l'offre de service la plus universelle, la plus développée au monde. Mais si on n'écoute pas le besoin des gens, si on ne prend pas de valoriser les jeunes, ils ne vont pas s'ouvrir sur tout ce qu'on fait. Donc, pour les aider, il faut qu'on s'approche d'eux, il faut qu'on les écoute, on valorise leur savoir-faire et qu'après, on se présente comme des détecteurs de méthodologie, d'acteurs qui connaissent, qui savent pratiquer pour pouvoir les aider à trouver leurs problèmes et à trouver aussi la solution eux-mêmes avec tout ce qu'on peut leur présenter. Et merci. الأستاذة سميرة تعرفنا عليها في سياق أنه حاليا هناك تجريب للعمل بين مدارس الفرصة الثانية ولانابيك تجريب للعمل في أفق التوسيع دياله والأستاذة سميرة تشتغل معنا لنا الشرف أنها تشتغل مع المدرسة التي ندبر على توجيه لي جون نيت وهما شباب اللي لهما كيقراو لهما في سوق الشغل لهما في تكوين معين وبرافو سافا ما فير مال سي جو بارطاج با افيك فو با اكزومبل موا سي دكتور اون هيدروجيولوجي فو مي ديت كاس كافوار هيدروجيولوجي افيك تو سكو جي ابري افيك لانابيك بوكوا جي ابري تو سا باسكو افيك دو كومبيتونس لا ديسپونيبيليتي. J'étais toujours disponible à participer à tous les projets qui ont permis de développer l'offre de services. Donc soyez disponible, soyez et voyez aussi la polyvalence. Soyez ouvert à toutes les opportunités d'apprentissage. Merci, Samira Al-Fayt.